Alors voilà. Victor, Romain, Jérôme, j'ai un truc important à vous annoncer. Il me reste une semaine à vivre. Oh putain, j'ai fait un rêve de ouf. Bon, alors voilà, je voulais vous annoncer un truc important. Les gars, je suis enceinte de Jérôme. Non, pas le pigeon. Ah, mec. Putain, c'est dingue. Je viens de faire un rêve dans un rêve. C'est Inception. Alors voilà ce que je voulais vous annoncer. J'ai décidé de me faire greffer un pénis. Ah, oh putain, mais c'est pas vrai. Bah voilà, avec Anne-Charlotte, on est ensemble. J'ai réalisé que depuis tout ce temps, je me voilais la face. En fait, j'aime les filles. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je te l'avais dit qu'il le prendrait mal. Romain va craquer. Déjà, à la séance du Kama Sutra, il était sur le point de me faire sa déclaration, alors... Attends, tu lui as déjà fait le coup? Mais arrête avec tes plans de balle, là. Pourquoi tu lui dis pas, tout simplement? Non, c'est impossible avec ce mec. Il dit rien, il fait rien, tu vois, il faut le pousser à bout. Notre meilleur ami, mec. Mais je comprends plus rien, là. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Elle a grandi trop vite. T'en es passé à côté, Romain. Moi aussi, ça me faisait pareil que toi, dans le début. Hein, l'important, c'est qu'elle soit heureuse. Faut lui dire que son choix de vie est OK pour nous. Mais c'est pas OK, c'est contre nature. J'aurais dû m'en douter à chaque fois qu'on allait au Luxembourg. Elle voulait qu'on aille sur le gazon. Ouais, les hétéros, vous venez? C'est pas parce qu'on a dit stop à la bite qu'on peut pas la côtoyer, hein. Alors, Chloé, avec Victor, voilà, on voulait juste te dire que pour nous, ça change rien du tout. On t'aime comme tu es. Quoi? Ah, enfin, je veux dire... Ouf! On avait peur de ta réaction, tu vois. Non, non, pour moi, tous les couples se valent. Victor le dit pas, mais lui aussi, il pense comme moi. Hein, Victor, dis-lui que ça te dérange pas. Ça te dérange pas? Ça me... Je peux pas. Et les enfants, là, vous avez pensé aux enfants? Ah bah oui, super, on va adopter, ça va être génial, ils vont venir... Et on va Victor tenir... T'es barjo ou quoi? Deux femmes peuvent très bien éduquer un enfant comme n'importe qui, hein, les filles? Mais oui, trois claques et au lit, et puis quand c'est petit, c'est léger, tu le fous sur le porte-manteau s'il t'emmerde. Mais je resterai pas humide de plus dans cette maison du diable! Excusez-moi, monseigneur. Victor, elle déconne. Les filles, dites-lui que vous déconnez parce que là... Mais que la peste s'abat sur vous et toute votre famille! Pardon, je pensais pas qu'il était aussi tradi. Mais pour moi, l'important c'est que toutes les deux, voilà, vous vous soyez trouvés. On est sur Terre pour si peu de temps que chacun vive sa vie comme il le souhaite. Putain, mais c'est quoi ton problème là? Je suis Goudou, moi Chloé! Putain, mais c'est du bullshit tout ça! Je fais ça pour que tu réagisses, merde! Ah putain, le Kama Sutra 3, c'était pour ça aussi? Eh bah ouais, pauvre tâche. Tu vois rien, tu fais rien, tu me laisses faire comme une conne. On dirait que t'es aveugle et... Eh bah tu sais quoi, ça me fatigue, voilà! Je continue si tu veux, j'ai l'habitude avec Greg. Ah bah je t'en prie, hein. Non mais c'est vrai, tu dévoiles jamais tes sentiments. J'ai l'impression de parler à un mur, là. Tu me surprends pas. Mais c'est toujours moi qui fais les efforts, pourquoi? Hein? Nous sommes tous des enfants hétéros. Première, deuxième... Chloé, je suis vraiment désolé pour ce que je vais te dire, ok? Mais je suis toujours amoureux de Julia, tu sais. Non, mais toi, t'es une super amie et tout, mais ça s'arrête là, quoi. Mais non, c'est faux. J'ai vu que tu réagissais à tous mes trucs, là. Chloé, je vais te dire un truc, ok? Mais surtout, faut que tu me jures que tu le répètes à personne. Je suis sérieux. Ok, je jure. Ah, pardon. La 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 la. C'est bon? Quoi? Yeah, your boyfriend who was new.
and the painted cover.